À Pasteur, je dirige l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes. Une de nos missions principales est effectivement de participer à la surveillance mondiale des nouvelles épidémies. L'Institut Pasteur a la chance d'avoir un réseau de 32 instituts qui sont sur les 5 continents et qui nous offre finalement une possibilité de surveiller les épidémies aux quatre coins du monde. Et ça, c'est absolument unique. Il n'y a aucun autre institut au monde qui ait la possibilité d'être actif sur tant de terrains simultanément. Les maladies émergentes, ce sont toutes ces nouvelles maladies qui surviennent régulièrement à la surface du globe. On estime chaque année qu'il y a un nouveau virus, une nouvelle bactérie qui émerge et qui sont responsables d'une épidémie débutante. Donc nous allons sur place. Le premier rôle que l'on a, c'est d'abord de voir s'il ne s'agit pas d'une maladie connue qui apparaîtrait sous une forme un peu atypique, inhabituelle et qui ferait qu'on pense qu'on est en face d'un nouveau virus. C'est souvent le cas. Mais il arrive qu'on se retrouve devant un nouveau phénomène tout à fait inhabituel où là on se dit il s'agit d'un nouveau virus, il faut l'identifier le plus vite possible afin de pouvoir d'une part comprendre son mode de transmission, mettre en place des tests diagnostiques et puis entamer des recherches à la découverte de traitements et de vaccins pour contrer cette nouvelle épidémie. Les virus, il y en a toutes sortes. Le rhume est dû à un virus, à un coronavirus même très souvent. Ces mêmes coronavirus, un peu différents, peuvent donner des maladies beaucoup plus graves, comme le SRAS, qui était responsable de ces maladies pulmonaires il y a une dizaine d'années en Chine et qui sont devenues une épidémie mondiale, et plus récemment, ce qu'on appelle le MERS, qui est un coronavirus également, qui vient des chameaux de la péninsule arabique et qui a été responsable, très récemment, de cette épidémie en Corée du Sud, là encore avec des manifestations respiratoires. Donc les virus, il y en a partout, il y en a des bénins, et puis il y en a d'autres qui peuvent avoir une mortalité associée forte, et qui nous oblige à intervenir très rapidement. Ce qui peut toujours arriver, c'est qu'un nouveau virus émerge en population humaine. Les virus existent dans des réservoirs animaux, ils vivent en parfaite harmonie avec l'animal qui les héberge, et puis, à l'occasion de phénomènes difficiles à expliquer parfois, ces virus passent de l'animal vers l'homme. Donc, quand on prend l'exemple du virus Ebola, il est présent très vraisemblablement dans une chauve-souris, il est transmis à l'homme et le plus souvent par l'intermédiaire des grands primates, des grands singes en Afrique centrale. On est beaucoup mieux équipé qu'auparavant. D'abord, on a un réseau de surveillance partout dans le monde qui repose sur des instituts de veille microbiologique et le réseau des instituts Pasteur en fait partie. Ensuite, on a des nouveaux moyens de détection des virus, de leur analyse, qui reposent par exemple sur des capacités de séquencer les gènes de ces virus et en les comparant à des bases de données existantes, être capable de dire ce virus, on le connaît ou on ne le connaît pas. Et s'il est nouveau, grâce à ses similitudes, dire il est probablement de telle famille. Et là, ça permet d'orienter nos recherches pour définitivement isoler le nouveau virus auquel on fait face.